Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, boursier. Nous sommes le vendredi 13 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera « Les détenteurs de dollars, ils sont vraiment verts ». Oui, peut-être vert de rage ou vert d'angoisse. En tout cas, le dollar subit un début d'année assez catastrophique, puisqu'il perd plus de 6% depuis le 1er janvier. Autrement dit, il perd quasiment autant en 10 jours qu'il en avait perdu depuis le 30 septembre dernier. Qu'est-ce qui peut justifier un tel mouvement qui, on va dire, par son ampleur, représente un mouvement qu'on peut observer sur un trimestre, voire un semestre, et déjà voir l'euro-dollar varier de 6% en un semestre, c'est pas anodin. Bon, là, en une semaine et demie, on peut vraiment parler d'un véritable cataclysme. Donc manifestement, il y a pas mal de gens qui s'étaient très 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 engagés, qui étaient très acheteurs de dollars en 2022 avec la guerre en Ukraine, avec on va dire un différentiel de croissance qui semblait plutôt pencher du côté des États-Unis. Bref, il n'y avait que des raisons d'acheter du dollar. Et puis d'un seul coup, eh bien ça se retourne et vous avez beaucoup de gens qui peut-être subissent des pertes importantes sur ces positions et qui sont en train de se déboucler un petit peu en catastrophe. Et pourtant, objectivement, les raisons de le faire ne sont pas là du tout. Alors, il y a eu jeudi ce fameux CPI ressorti, alors là, parfaitement conforme aux attentes du marché. Ça, au moins, il n'y avait pas eu de surprise. On est à 6,5% d'inflation, 5,7% hors alimentation et énergie. Attendez, 5,7%? Mais on avait 5,4 au mois de novembre. Autrement dit, l'inflation là, elle ne baisse pas. Elle monte, non? Et l'inflation cœur, hors alimentation énergie, à 5,7, c'est justement celle que suit et surveille la Fed. Alors elle a une autre boussole, qui est le marché du travail. Et qu'est-ce qu'on apprend hier? Ben, que le chômage a reculé début janvier. Donc, les hausses de taux de la Fed, pour l'instant, ne ralentissent ni l'inflation, ni la vigueur du marché du travail. Et si ce marché du travail est tendu, les salaires montent et ça entretient la spirale inflationniste. Donc, si c'est le cas, a priori, les banques centrales ne vont pas rebaisser les taux de si tôt. Et pourtant, c'est ce que jouent manifestement les cambistes, c'est le fait que on verrait la Fed peut-être annoncer qu'elle pivotera pour la fin de l'année 2023. Il y a probablement beaucoup d'illusions dans ce mouvement sur l'échange. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas d'inflexion de l'inflation sur les prix hors alimentation et énergie. Et ça, quand même, ça devrait poser question. Bon, ce qui pose question aussi, bien sûr, c'est le niveau atteint par les indices, un CAC 40 qui franchit les 7 000, un CAC 40 dividende inclus qui atteint les 21 000, ou quasiment 20 650. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on aujourd'hui se situer bien au-delà des niveaux que le CAC 40 affichait avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui remonte, je vous le rappelle, au 24 février? Et au 24 février 2022, le CAC 40 était allé à peine à 6 700, alors qu'on est aujourd'hui à plus de 7 000. Bon, vous comprenez bien qu'il y a une incohérence tellement évidente entre le niveau du marché aujourd'hui et la conjoncture qui n'a plus rien à voir par rapport à février 2022. Vous comprenez bien que si le marché est à la hausse, c'est qu'il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Et ces mécanismes, nous vous les avons déjà décrits, à savoir que le marché est dirigé par des flux que vous n'êtes pas censé connaître parce que les banques centrales annoncent qu'elles sont
qu'elles sont engagées dans un processus de dégonflement de leur bilan, mais qui, par derrière, continue d'alimenter le marché, c'est-à-dire en fait les quelques intermédiaires qui sont en contact direct avec la Fed. Ces intermédiaires, eux, par contre, reçoivent de la liquidité et peuvent donc faire ce qu'ils veulent sur les marchés et surtout se livrer à ce que j'appelle moi une guerre de position. Si vous avez beaucoup d'acheteurs, eh bien, les très gros acteurs vont se mettre vendeurs et beaucoup d'acheteurs vont être obligés de se couper pour limiter les pertes. Et quand vous avez au contraire beaucoup de vendeurs face à une conjoncture extrêmement dégradée, eh bien là, vous faites monter les cours de façon à squeezer tous les vendeurs qui sont en levier. Ceux qui ne sont pas en levier, évidemment, ils peuvent tenir. Bon, c'est pas agréable de dire que virtuellement, on est en moins-value, mais vous ne bougez pas. Mais pour tous ceux qui ont pris du levier, eh bien, ils sont obligés de couper leurs pertes. Ils le font sur les actions, ils l'ont fait probablement sur les obligations, et ils sont en train aujourd'hui de le faire sur le dollar. Donc en fait, c'est assez simple, on va dire que le marché fait à peu près l'inverse de ce que tout le monde attend. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les mécanismes sont basés, c'est-à-dire toujours prendre à contre-pied le consensus quand on sait qu'on ne fera probablement pas beaucoup d'argent en achetant des actions cette année et en espérant un meilleur rendement. Parce que qu'est-ce qu'on espère pour 2023 ? Eh bien, entre 5 et 10% de baisse des dividendes, tandis que de l'autre côté, un livret A vous sert du 3%, un monétaire américain vous sert du 4,5%, mais qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui de dire « je privilégie encore les actions » parce que par ailleurs, eh ben, le loyer de l'argent, ça ne me rapporte rien, mon assurance-vie ne me rapporte rien, donc je préfère faire des actions. Même ce raisonnement-là aujourd'hui, évidemment, il ne tient plus. Donc attention à ces mouvements qui semblent défier la logique, mais qui sont surtout des mouvements de guerre, de position, et c'est probablement ce à quoi nous venons d'assister sur le dollar. Et vous faites bien sûr la liaison entre l'euro qui monte, les valeurs européennes qui montent. Évidemment, quand vous avez des acheteurs américains qui reviennent en Europe, ils achètent de l'euro et vous avez donc cette fois-ci une vraie cohérence entre la hausse du dollar et la hausse des actions. Mais la cohérence entre cette hausse des actions et la conjoncture, elle est nulle. Et cette cohérence entre la hausse du dollar, non, entre la baisse du dollar et la hausse de l'euro, elle est également nulle. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce. On vous retrouve dès lundi pour un live avec Gilles.